été, puis c'est sorti il y a quelque temps, Locolocas. On les a un peu découverts après quelques mois que c'était sorti. Je reçois Batlam et Biz parce que j'adore votre album, puis ça commence à pogner, hein, tranquillement. Ça a l'air bon. C'est le fun, c'est intelligent, où les textes sont vraiment très, très bien, parce que dans le rap, des fois, c'est louche, on sait jamais. Est-ce que vous avez des spectacles à annoncer? Oui, ben notamment le 4 mars, au Gala des Mimi, ça a l'air qu'on va faire une petite prestation. Comme tu disais, une espèce d'humanité à toute la machine.
aventure avec nos amis Cypress Hill. Ça, écoute, c'est ça qui m'a réconcilié avec le rap, parce que dans les années 80, on écoutait Public Enemy, Beastie Boys. Mm-hmm. Puis vers la fin des années 80, ça s'était un peu essoufflé, ce mouvement-là. Oui. Quand on était chez des amis, je pense en 93 ou 94. Puis quand on a écouté ça, on avait pris des moches. Puis je comprenais même pas. Non mais faut-il le rappeler, parce que ça a été une commotion d'entendre ça. Je comprenais même pas en quelle langue ils chantaient. Il y avait une voix qui était complètement particulière. Plus les sirènes du Kubrose en arrière, ça a été les premiers à amener ça. Puis vraiment. Là, on s'est dit, là, il se passe quelque chose de nouveau dans le rap. Le rap a vraiment évolué. Là. Il peut se faire des choses dans le rap qui sont novatrices. Je dois arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup d'être venu faire un tour aussi. Un plaisir.